Bruno, c'est une rencontre. C'est une personne que j'ai rencontrée un peu par hasard lors d'un événement ici à Liège. Et on a discuté ensemble et on arrivait à la conclusion que lui voulait faire de la bière et moi, je pouvais lui fournir des étiquettes. Pourquoi est-ce que je suis parti dans une aventure comme ça avec Bruno? Ben, simplement parce que lui apportait un côté scientifique et de gestionnaire d'entreprise aussi de par son expérience précédente et une grande mise en confiance dans le projet. Il connaissait bien les matières, connaissait bien le côté administratif, etc. et apportait un côté assez sécurisant et valorisant au projet, qui pour moi était quelque chose de tout à fait neuf, de participer à la création d'une société et d'une entreprise. Il y a une belle complémentarité entre les deux profils. Moi, je suis assez administratif, j'aime bien la production, j'aime bien la création, le développement des produits de la bière. Michel, lui, a vraiment tout cet aspect, ce feeling vers la réalisation des étiquettes, trouver des beaux logos, avoir la stratégie marketing, aller voir les clients, faire les festivals, donc tout l'aspect social qui est nettement moins développé chez moi, lui va prendre ça en charge et va commencer à le faire. S'il n'était pas là, je pense que l'entreprise ne pourrait pas tenir la route. Ça a changé beaucoup de choses. C'est une grande reconversion pour moi qui passe d'un milieu qui était plus orienté tout ce qui était technologie de l'information et de la communication vers un produit qui est fondamentalement plus social et sociable et qui a des impacts et une manière de communiquer autour qui est totalement différente de la technologie que je possédais avant. Que j'avais absolument pas imaginé, c'était la quantité de travail, la quantité et la difficulté de travail qu'il faut fournir pour produire de la bière. On n'a plus la force d'avant, ils commencent à porter des casiers de bière, des fûts, des tuyaux qui, l'air de rien, sont lourds. Parfois, ce sont des journées qui ont un impact au niveau de la vie privée, qui ont un impact au niveau familial. Je vois beaucoup moins ma famille et mes enfants parce que ça ne s'arrête jamais. Le projet était sûr dès le départ, bien que ce soit un risque financier, que ce soit une grande innovation et un grand changement de vie pour moi en tout cas. Passer d'une routine de bureaucrate à une vie un peu plus trépidante sur les routes et dans les festivals, c'est un grand changement qui a dû s'effectuer et qui commence à porter vraiment ses fruits par certains accomplissements auprès de la clientèle et des nouveaux clients que l'on se fait.
La fierté aussi, c'est de développer des nouvelles recettes, d'avoir des clients qui viennent pour nos compétences et qui sont contents du produit qui a été fabriqué, qui sont contents de la bière qu'on a fait pour eux. Ça, c'est aussi une fierté personnelle. Il y a d'une part la fierté de l'image que Michel va donner et puis la fierté du goût, du nez que moi j'apporte dans les recettes que je développe. Au départ, c'était une relation professionnelle. Maintenant, c'est devenu un ami sur qui on peut compter l'un comme l'autre. On se donne des challenges, des missions et on essaye de les accomplir au mieux dans le but de satisfaire la société et également la relation qui nous unit.